vidéo avec les livres que j'ai lus au mois d'août. Alors j'en ai que 4 sur les 6 parce que les deux autres, on me les a prêtés. Alors le premier livre que j'ai lu en août, il s'agit du symbole perdu de Dan Brown, donc par l'auteur du fameux Da Vinci Code que j'ai lu. J'en ai lu plusieurs autres et en fait je l'ai acheté parce que j'adore tout ce qui est histoire de complot, Illuminati, franc-maçon et tout ça. Et en fait ce livre je l'avais déjà lu il y a 5-6 ans, je ne me rappelais plus parce que c'était une couverture différente. Mais je l'ai vraiment adoré. Donc en fait c'est l'histoire de Robert Langdon qui est un personnage qu'on retrouve dans Da Vinci Code, Ange et Démon, en fait dans quasiment tous les livres de Dan Brown, qui est un professeur en symbologie à Harvard. En fait qui va être appelé à Harvard pour tenir une sorte de conférence ou quoi, sauf qu'il va se rendre sur place et il va se rendre compte qu'il n'a pas du tout été appelé par Peter Solomon qui est son mentor, et en fait il va se retrouver dans un complot franc-maçonnique parce qu'en fait Peter Solomon est franc-maçon et il va devoir le retrouver pour le sauver parce qu'en fait il y a un mec qui a infiltré les francs-maçons qui est fou et qui veut découvrir une pyramide qui est un symbole absolument sacré pour la franc-maçonnerie. Enfin il veut faire des trucs pas bien, donc Robert Langdon va devoir l'aider ainsi que Catherine Solomon, la sœur de Peter, pour sauver Peter. Mais c'est vraiment hyper intéressant parce qu'on voit le déchiffrage de symboles maçonniques, tous les mystères autour de la franc-maçonnerie, c'est hyper intéressant. Donc voilà, j'ai adoré ce livre et j'adore tous les livres de Dan Brown. Donc ensuite, j'ai lu Fracture, un livre de Tillier que je n'ai pas ici parce qu'on me l'a prêté. Mais en gros, ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Alice Dehan, qui a un trouble de la personnalité très important. En gros c'est une jeune fille qui a été un peu violentée lorsqu'elle était plus jeune par son père, et en fait elle a plusieurs personnalités qui s'affirment. Donc il y a la sienne, celle de sa sœur jumelle, celle d'un petit garçon, celle d'une vieille femme et tout. Et en fait lorsqu'elle a une autre personnalité, elle ne se rappelle plus du tout ce qu'elle a dit avec une de ses autres personnalités. Donc en fait elle va se faire aider par un psychiatre pour essayer d'aller mieux, sauf qu'il y a à peu près rien qui va se passer. Et il y a également une assistante sociale qui s'appelle Julie qui va l'aider, et en fait on va essayer de comprendre pourquoi elle est comme ça. Et franchement c'est assez intéressant, ce n'est pas du tout le livre de Tillier que j'ai préféré, mais c'est toujours sur les rouages de la mémoire, de la personnalité, et c'est vraiment assez intéressant. Et Tillier est assez fort dans ce domaine là. Voilà. Un autre livre que je n'ai toujours pas avec moi mais que je vous mettrai en photo ici, il s'agit de U4 Jules. Alors U4 c'est une saga de 4 livres qui est sortie il y a au moins un an, avec chaque fois focus sur un personnage, donc un ado. Et en fait ils ont été écrits par 4 auteurs différents, donc ce sont des Français. Et en fait ça parle du virus U4 qui a décimé 90% de la population française, et les survivants sont seulement des adolescents parce qu'en fait ils ont eu un vaccin lorsqu'ils étaient plus jeunes qui les a sauvegardés de cette maladie, épargnés plutôt. Donc là on suit Jules qui est un Parisien, donc en fait il va se retrouver confronté avec tous les morts dans la rue, il va devoir tenter de survivre en fait avec ce qu'il reste de nourriture. Il va rejoindre des autres ados qui ont formé une sorte de communauté, donc il va retrouver des anciens amis à lui, ils vont tous avoir un rôle pour faire en sorte que cette communauté fonctionne parce que sinon c'est anarchique. Sauf que dans le même temps il y a les militaires français qui réquisitionnent les adolescents et tout pour former un peu une sorte de d'endroit le plus juste possible, sauf qu'il y a énormément de lois et Jules et ses copains ne vont pas vouloir les rejoindre parce que sinon ils vont devoir faire telle tâche, ils seront surveillés et tout. Donc ils vont devoir échapper aux militaires, il va rencontrer d'autres ados qui en fait sont également les protagonistes des 3 autres livres. Voilà, donc il y a Stéphane, Yanis et Cory Dwayne, donc en fait ils ont chaque leur personnalité et tout. Et franchement c'est hyper intéressant dans le sens où ça ne fait pas forcément ado, ça fait juste un livre sur la débrouille d'ado pour s'en sortir, qui lutte un peu contre le système avec ses lois, ses règles et tout, tout en essayant de tenir un système qui fonctionne. Voilà, donc c'est un super livre et je pense peut-être lire celui de Cory Dwayne qui se passe à Lyon. En fait chaque
Liv se passe dans une ville différente, mais ils vont tous se retrouver à Paris parce qu'en fait, les quatre personnages sont des ados en fait qui jouaient à un jeu vidéo où ils étaient très forts et ils vont être appelés par une sorte de personne qui va leur dire rendez-vous tel jour à tel endroit et on pourra remonter le temps pour éviter qu'il y ait le virus, donc ils y croient ou pas et ils vont essayer de faire en sorte de se retrouver là-bas. Voilà. Ensuite, j'ai voulu lire un livre complètement différent avec Rien n'emprisonne l'innocence de Florence Cassay. Donc en fait, en juin, j'ai acheté trois livres un peu plus témoignages, romans de vie plutôt que des romans que j'ai l'habitude de lire. En fait, pour vraiment lire une vraie histoire d'une personne et vraiment se sentir plus proche. Et du coup, j'ai lu ce livre aussi, donc Florence Cassay, si vous ne vous souvenez pas ou si vous n'avez jamais entendu parler d'elle, c'est en fait une Française qui a habité au Mexique pendant un temps et qui a été emprisonnée pendant 7 ans alors qu'elle était innocente. En fait, elle a été emprisonnée à la suite d'accusations, de complicité, de séquestration et d'enlèvement. Alors, au Mexique, en fait, il est monnaie courante d'arrêter des gens qui n'ont rien fait, voilà. Donc on montre un peu, ça montre complètement le système corrompu jusqu'à la moelle du Mexique avec les policiers et la justice qui bossent ensemble avec le gouvernement. C'est absolument n'importe quoi. Donc en fait c'est elle qui raconte. Elle raconte son histoire pré-emprisonnement, pendant l'emprisonnement et post-emprisonnement. Donc en fait elle raconte toutes les personnes qui l'ont aidée, elle raconte ce qu'elle a vécu. Donc elle est allée dans plusieurs prisons, elle a été aidée par des détenus, elle a été soutenue par des personnages politiques français tels que Sarkozy qui a joué un rôle très important, qui l'a soutenue. Elle est sortie pendant le mandat de Hollande en 2013 et donc elle a pu rencontrer tout ça. Ses parents étaient vraiment à fond derrière et en fait on voit sa lutte contre le système politique et judiciaire mexicain qui est pourri. C'est en fait, enfin, quand on lit ce livre, on voit à quel point le dossier est vide. Il est rempli de témoignages, de mensonges. En fait, c'est un dossier basé sur rien, avec des gens qui ont menti pour la faire inculper. Et ça rend dingue, quoi. On se dit que finalement, le système politique français n'est pas si pourri. Et on a vraiment de la peine pour elle parce que, enfin, on voit bien qu'elle a rien fait. Parce qu'en fait, elle est sortie avec un Mexicain qui s'appelait Israël, qui avait une cabane dans son jardin, et en fait, soi-disant, il y avait eu des personnes séquestrées à l'intérieur, alors que lui non plus n'y était pour rien, lui aussi a fait de la prison. Enfin, c'est absolument n'importe quoi, mais on voit à quel point elle est tenace et elle ne lâche pas l'affaire, bien qu'à certains moments, forcément, elle est déprimée et elle en peut plus. Mais c'est vraiment une femme courageuse, et on se dit que franchement, elle a mener un combat de ouf contre un pays tout entier, contre une corruption d'un pays entier, et c'est absolument passionnant et déprimant également. Donc je vous conseille vraiment ce livre où du coup on est au courant de toute l'histoire. C'est vraiment un livre qui ouvre les yeux sur plein de choses et j'ai trouvé cette lecture hyper intéressante. Autre livre que j'ai lu, Miss Alabama et ses petits secrets, donc dans un genre totalement différent, de Fanny Flagg qui avait écrit La dernière réunion des filles de la station service, que j'avais adoré. J'ai moins aimé celui-là, bien que je l'ai quand même bien aimé. Donc en fait c'est encore l'histoire d'une américaine qui vit en Alabama, qui a la soixantaine. Donc cette fois-ci elle s'appelle Maggie, elle travaille dans une agence immobilière et en fait un jour elle va se rendre compte qu'elle s'ennuie de sa vie et elle va vouloir se suicider. Donc elle va mettre un plan à exécution pour mourir tranquille, voilà. Sauf qu'un événement complètement insignifiant va apparaître dans sa vie qui va faire qu'elle va repousser cette échéance. Et un autre événement, et un autre événement, et voilà. Donc elle va repousser ça, et en fait c'est vraiment drôle, c'est comique, c'est léger, c'est frais. On va la suivre en train d'essayer d'avoir dans son agence immobilière une des plus vieilles maisons de la ville où elle habite, où elle a toujours habité. Et donc voilà, enfin c'est des trucs pas forcément hyper intéressants, mais c'est marrant. Elle était ancienne Miss Alabama et elle a failli être Miss America, donc pour elle c'est une fierté, mais en même temps elle se dit qu'elle a pas tant réussi que ça, et c'est une des raisons pour lesquelles elle veut disparaître du monde, va-t-on dire. Mais c'est un roman vraiment sympa. Que dire d'autre? Voilà.
Et le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, j'ai mis vraiment un moment à lire, genre 10 jours, parce que j'étais pas mal occupée. Il s'agit des Intéressants de Meg Wolitzer, qui a eu le prix des lecteurs 2016. Alors, ce livre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc en fait, c'est l'histoire de Julie en 1974. Donc je précise que le livre s'étend sur 40 ans à peu près. Donc c'est cool parce qu'on va suivre les personnages sur une durée assez longue. Donc en fait, elle est ado, elle a 15 ans, elle passe son été à Spirit in the Woods, qui est une colonie de vacances. Donc on va la suivre, elle, ainsi que 5 autres adolescents. Donc on y retrouve Jonah, Ash, Ethan, Goodman et Cathy, qui forment une espèce de bande et ils vont se surnommer les Intéressants. Ils vont retourner plusieurs années de suite dans cette colo, puis ils vont devenir adultes. Certains vont s'éloigner un peu, certains vont rester toujours ensemble, des couples vont se former. Donc on va suivre la vie surtout de Julie, de Jonah, de Ethan et de Ash, également assez celle de Goodman, Ash et Goodman, son frère et sœur. Donc en fait Julie, qui va se surnommer ensuite Jules, va vraiment admirer Ash et Goodman Wolf, qui sont vraiment bah, des gens riches, ils sont beaux, ils réussissent et tout ça. Donc en fait les parents de Ash et Goodman, donc elle va régulièrement se rendre chez eux. Donc voilà, ensuite elle va grandir, elle va être mariée, elle va avoir des enfants, Ash aussi, elles vont toujours être proches. Enfin vraiment, c'est vraiment un livre qui s'étale dans le temps, un peu comme Freedom de Jonathan Franzen. C'est assez cool ce genre d'histoire où en fait on les suit. On appelle ça un roman, je ne sais plus. Mais c'est vraiment une histoire vraiment très intéressante vu qu'on va suivre tous les personnages, savoir ce qu'ils sont devenus. Elle habite à New York, donc raison de plus. Voilà, que vous dire d'autre? C'est un roman très bien pour l'été. Je le conseille. Donc voilà, les livres que j'ai lus en août, bah, c'est fini. J'en ai lu 6. Vraiment bah, de genres différents, comme toujours. J'essaye toujours de varier mes lectures. J'espère que certains livres vous auront donné envie. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite une très bonne journée. Salut à tous!